Allô tout le monde, voici Champion MMCA. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien commencer en Minecraft, la série à laquelle on voit les bases de Minecraft avec le programme d'été. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire, qui me semble tente de faire? On va faire l'usine à mob. Et oui. À zombies et à araignées. Du moins un pour commencer. Après ça, on verra. À date, ça n'a pas spawné. Depuis que j'ai mis les blocs là. Ça n'a pas respawné. C'est parfait comme ça. Dans la dernière vidéo, si je me trompe pas, on avait trouvé ça. Ou du moins, je vous ai montré que j'ai trouvé ça. Là, on va faire de quoi avec ça. Après, on va aller se coucher. Sachez que c'est l'avant-dernière vidéo du programme d'été. Déjà, l'été est déjà presque fini. Je ne même pas y penser. Mon mois de vacances est terminé. En gros, j'ai commencé lundi. Ouais. J'ai recommencé lundi 14. En programmation, bien évidemment. J'avance le ciel tranquillement, pas vite. Ça va être bon. Bon, du moins, je sens que ça va être bien fait quand même. Je vous dis, il y aura deux versions. Donc, je vous ai dit. La première version pour juste l'école. La deuxième version avec plus d'options pour qui va être disponible. Est-ce que je vais le vendre? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas si je vais le vendre ou je vais le mettre gratuit. Ça va être à voir en temps et lieu, ou si vous me suggérez, peu importe. On va voir ça. Sachez que la semaine prochaine, comme que vous avez pu remarquer, ou que je l'ai dit, je m'en souviens plus, entre chaque vidéo de comment bien commencer en Minecraft, il y a à chaque fois, je dis bien, à chaque fois, un jeu. Du moins 2 sur 3, parce que l'autre c'est la programmation. On s'entend. Mais j'ai prévu quelque chose. Dont un jeu. La semaine prochaine, c'est le dernier jeu. Oui, le dernier jeu que je vais vous présenter pour cette série. Pour ce programme d'été. Je sais même pas si je suis de quoi, mais je m'en fous. Puis c'est quoi? Je vous dis pas de 1, de 2. Vous pouvez, même si vous cherchez sur mon site internet, vous ne le trouverez pas parce que il est marqué sur mon site internet l'horreur qui est marqué surprise. C'est quoi? Quel jeu que je pourrais bien manigancer? Sérieux? Il va vraiment au fond de l'eau? Ok. Quel jeu je pourrais manigancer? Il va vraiment au fond de l'eau? Ok. Ça, je vous laisse le découvrir. À la base, ok, j'ai ça, j'ai ça. Commençons pour de vrai. Bon, c'est pas plus grave que ça de toute façon. Toute façon, il va arrêter à 8. De toute façon. Bon. Ok, ils sont tous là, mon stuff. Bon, j'ai un seau d'eau, deux seaux d'eau. C'est parfait. Je prends de l'eau. Qui est parfait comme ça. Je m'en veux même pas à bonne place là. Quitte un autre œuf. Donc là, je vais faire le test. Ok, il est trop profond.
Sérieux, c'est un bug ou je sais pas trop. Alors, un œuf, ça cale pas, mais bien ça plonge. Si je me trompe pas. Faudrait que je fasse le test. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a de l'air hein, dans un œuf. Est-ce que ça plonge ou ça coule? Je ne sais pas. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça. De toute façon, j'ai pas le choix pour ça. C'est ça que vous pourrez peut-être me dire que c'est pas optimisé ton affaire. Je m'en fous. Je fais comme que je le pense. Puis comme que ça me tente aussi. Sachez que au le mois de septembre, on va recommencer en force avec la série Upcurd. Et oui. Puis juste avant la série Upcurd, ça va être les meilleurs moments du mois de juillet et de août. Comme à chaque fin de mois ou après 2 mois, peu importe. Soit à la fin de 1 mois ou 2, là. Il y a toujours ça. Bon, je vais me coucher, mais là, je peux pas parce que il fait pas encore assez de son. Le soleil est pas encore assez beau. Bon, enfin. Parfait. C'est parfait comme ça. Alors, continue sans me faire mal. Bon, où je suis où? Gravier là. Voilà pourquoi il ne faut jamais miner en haut de soi. Parce qu'on peut avoir du gravier qui tombe dessus. En bas, parce qu'il peut avoir de la lave qui tombe. Qui tombe. On peut tomber dans la lave. Ouais. Aucun commentaire pour ça par contre. Parce que oui, ça m'est arrivé. Dans le serveur de Steelers. Ouais. Bêtement. Mais par contre, j'ai pas tout perdu. J'ai perdu une partie, mais pas tout, heureusement. Bon, un zombie a spawné. Il sera le premier à tester mon système. Quand qu'il sera prêt, bien évidemment. Si moi je suis capable, les autres sont capables. On s'entend. Ça saute, hein, des zombies. Oups. Je n'ai pas prévu le coup. Ah. Vous êtes sérieux, vous? Oh, t'es pas sérieux. Bon, j'ai pratiquement terminé. Mon système fonctionne. Il me reste juste un petit détail à régler. Qui est extérieur. Ah, mon Dieu. Voilà pourquoi on n'a jamais miné en dessous. Bon, j'ai tombé sur du fer, moi. Ça fait peut-être mal, mais au moins, j'ai du fer. Je pensais pas qu'il y avait une grotte en dessous, directement là. De toute façon, on peut pas se refaire pogner. Ça, c'est le niveau de l'eau. Bon, j'ai pas le choix de revenir. J'espère que j'ai de la terre, mais je pense que je n'avais pas. Je me trompe pas. Ah oui, j'en ai de la terre. Tant mieux. Il n'y avait pas sur moi, tout simplement. Pratiquement un stack de. J'ai un stack de terre.
Ah, ça c'est granit. J'ai pratiquement un stack de terre, mais j'en ai pas. Là, nous allons voir de nouvelles choses. Et oui, donc on va commencer par revoir le coffre, qui est tout simplement le contour du corps ici présent. Qui en faut un troisième. Mais celle-là, par contre, on en met un là. On va l'utiliser pour pouvoir faire un entonnoir. Et oui, un entonnoir. À quoi que ça sert? La fois que vous savez à quoi que ça sert un entonnoir dans la vraie vie, c'est le même principe, mais plus gros, puis peut contenir plus de choses. Tout simplement. Comme des items. Quand nous avons besoin d'un entonnoir, deux entonnoirs, peut-être pas. Finalement, parce que nous allons voir un nouveau craft encore. Ça, je pensais pas de le faire. Mais je vais le faire tout de suite, comme ça va être fait. Parce que c'est une affaire que vous devez savoir absolument pour ceux qui débutent à Minecraft. Vous prenez ceci. Et vous faites ceci avec votre pierre pour donner un escalier. Vous faites le patron de l'escalier, en gros. Et voilà. Vous avez 4 escaliers pour le prix de 6 blocs comme ça. Mais pourquoi je fais un escalier? Pourquoi? Oups. Pas prévu le coup pour ce côté-là. Non, je veux pas ça, je veux ceci. Parfait, je vais le mettre à l'envers. Et pourquoi? T'as pas y a-tu un bloc en dessous? Non, je l'ai bouché effectivement. Bon, je vais mettre de la terre par contre. Donc, ça va être facile à briser. On prend l'entonnoir et on le met là. Moi, on va aller en dessous. J'espère que j'ai pas fait ça pour rien, les escaliers. Bon, de toute façon, non, parce que je vous le montre. Et oui. Bon. Ouais, je vous ai permis de voir un escalier. À quoi servent les escaliers? On s'entend sur des escaliers, mais dans ce cas-ci, ah, pas grand-chose. Mais en temps normal, un peu les coffres. On met un coffre ici, puis un coffre là. Maintenant, si je ferais ça, je ne peux pas ouvrir le coffre. Parce que c'est un bloc complet. Mais, si je mets ceci, comme par magie, je peux l'ouvrir parce que c'est pas considéré un bloc complet. Une demi-dalle, vous pouvez l'ouvrir. Il faut l'équivalent d'une demi-dalle d'espace en haut du coffre pour pouvoir ouvrir le coffre. Malgré que c'est pas une demi-dalle, mais bien un corps de bloc. Vous comprenez le principe, du moins j'espère. Peu importe. Là, nous allons remonter. Après avoir mangé un peu, parfait. Oups. Là, l'entonnoir, à quoi qu'elle va servir? Juste pour boucher ça, par contre.
Oh, je vais mettre un. Un pierre, par contre. Range-le. À quoi qu'elle va servir ceci? Tout simplement à récolter. Un peu, je vais me faire un passage. Anna, je vais me faire ça. Ok, celle. Ouf. Celle-là, je m'aurais faite mal, mais le non. Simplement ouvrir le coffre. Là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de l'ouvrir. Et de taper ces mobs. Et de faire autant d'expérience que l'on veut. C'est-tu pas magnifique? Le stuff, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Pourquoi? Parce que tout est là-dedans. On peut en faire comme qu'on veut de ça. Juste l'adapter. Maintenant que ça s'est fait, bon, je vais juste briser ceci qui va aller mieux si je vais l'offre par contre. Tout simplement enlever les torche dont un va être plus difficile que l'autre, que les autres. C'est pas tout simple ce qu'on fait. Voilà. Faire attention. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que. Ouh! Ça fonctionne à merveille, le spawner, par contre. Nous allons fermer l'endroit. Complètement. Faut qu'il fasse le plus loin possible. On va le faire complètement. Pas tout de suite. Et pourquoi? Parce que. Je vais laisser faire un passage pour pouvoir aller vers les araignées. Puis on va faire la même chose avec les araignées, mais une autre journée. Juste ça suffit pour moi aujourd'hui. J'ai vu assez de mobs. Après ça, ils pourront que spawner. Je suis moins atterri, mais je pense que j'ai mal. Je pense pour utiliser d'autres blocs, mais ça, je m'en fous un peu. En autant qu'elle fonctionne. Ou puis j'irai en épée. Tout simplement. Juste pour le fun, on va attaquer un peu et se faire de l'expérience. En masse. Si simple que ça. Ça demande même pas de ressources telles spécifiques en plus. Bof, pour l'entonnoir, mais on peut bien s'en sortir sans entonnoir aussi. Moi, vu que j'aime les redstone, fallait absolument que je fasse ça. Petit détail. Pas prévu pour les petits zombies. Oui, je ne l'ai pas prévu pour les petits zombies par contre. Autrefois, à Minecraft, les petits zombies n'existaient pas encore.
Bon, le restant, je m'en fous. Ce qui va c'est, je vais boucher ça. Vous tapez comme ça, vous êtes sûr. Ah, ok, j'ai perdu mes blocs, mais ça, c'est un détail. C'est pas de la précieuse ressource. Mais vous ramassez. Non, pas ça. En masse. De viande d'un zombie. De la viande pétrifiée. Qui est bien pour dresser des chiens et aller se coucher. Oh, la nuit tombe en plus. Oh, c'est parfait. Pas de temps de spawner ces mobs. Je vous le dis, ça n'a pas de temps de spawner. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, ça a été très productif aujourd'hui. Ça, on peut le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu. Désolé. Nous avons vu comment faire des escaliers qui nous donnent 4 escaliers. Nous avons bien sûr revu le coffre, mais plus précisément l'entonnoir. On a vu comment faire un entonnoir. Imaginez, c'est un coffre, ok. Ça ne demande pas d'en faire un autre. Puis j'ai passé bois de toute façon. On a vu comment faire un entonnoir. On a fait le plus le mieux qui est là-dedans. C'est que nous avons fait, plutôt j'ai fait. Je sais pas pourquoi je dis nous, vous, nous, on, tout ça. J'ai fait. On a vu comment faire une usine à mob qui est aussi à expérience en même temps. Très efficace, ça je peux dire. Peut-être pas optimisé, ça je m'en fous, c'est un détail pour moi incorrect. L'important c'est là. Peut-être que je colle le champ qui serait bien. Même si je suis pas prêt à 100%, ça c'est pas plus grave que ça. J'en ai assez peut-être pour un stack complet. Sans problème. Du moins en théorie. Hop, bah oui, un stack complet. Facile. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google, Twitter, car tout le monde est bienvenu. La prochaine vidéo, ça sera dans 2 semaines pour Minecraft, bien évidemment. Pour comment bien commencer à Minecraft. La dernière vidéo de la saison. Parce que, ça c'est ça, je vais vous demander par après. Il va être arrêté pour le restant de l'année. Peut-être peut reprendre pour les vacances. Je vais voir à ça. Qu'est-ce que ça va donner. Sinon, la prochaine vidéo, donc mercredi prochain, ça sera la surprise, le jeu surprise. Et oui. Je suis sûr qu'il y en a qui ont hâte de savoir c'est quoi. Vous le saurez en temps et lieu. Il y en a qui seront contents. Ça c'est sûr et certain. Il y en a qui seront ravis que je fasse ceci. Alors pour ça, en commençant le chant, je dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien commencer à Minecraft, la série à laquelle on voit les bases de Minecraft et encore plus. Au fur et à mesure, par contre, que la série avance. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des foules.